Opération nettoyage des chars ce matin. Il faut évacuer l'eau tombée abondamment durant la soirée d'hier soir. Ça a pris un petit peu l'eau ? Un petit peu, mais on est confiant et ça va marcher, quoi. Ça a pas, y a pas plus de dégâts que ça. À quelques mètres en coulisses, Angélique, plasticienne, remet à neuf chaque pièce et chaque déguisement en fabrication depuis plus d'un mois. Je fais les derniers ajustements, les dernières petites finitions et réparations. Je suis juste en train de fixer les tubes pour les fixations des corps. C'est une entreprise niçoise qui s'occupe de la confection des chars. La société gérée par Cédric est d'ailleurs en charge du carnaval de Nice. Cette année, 17 chars ont été créés pour le carnaval d'Ajaccio. C'est le thème de la Méditerranée. Donc vous allez avoir beaucoup de mer, beaucoup de poissons, beaucoup d'algues, beaucoup de bateaux qui relient beaucoup Nice à la Corse. Et donc vous avez plus spécifiquement des symboles comme Napoléon. La majeure partie des chars sont payés par la municipalité d'Ajaccio. Mais cette année, d'autres entreprises privées ou publiques ont investi pour l'occasion. Côté mairie, la facture s'élève à 138 000 euros pour deux jours de festivités, tout compris. Je pense que la plus belle fête des enfants, la fête la plus populaire du monde mérite bien ça. Ajaccio mérite le meilleur. Je pense que c'est peu cher. Je pense par rapport au sourire qu'on voit sur le visage des enfants, qu'on va voir aujourd'hui toute la journée et demain. Un important dispositif de sécurité a été mis en place avec notamment la pose de blocs de béton pour bloquer la route. La circulation entre le cours Napoléon et la place Foch devrait être coupée jusqu'à 1h du matin.